Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui nous faites l'honneur de nous suivre, j'ouvre la séance du conseil municipal en demandant à madame Émilie Desmoulins-Genoux de bien vouloir procéder à l'appel. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Arnaud Murgia. Présent. Richard Nussbaum. Présent. Catherine Valdeneuve. Présent. Éric Pétieux. Présent. Annie Assier-Conversé. Présent. Christian Julien. Présent. Jean-Marc Caponi. Présent. Elisa Faure est excusée et a donné pouvoir à Éric Pétieux. André Martin. Présent. Claire Barnéou est excusée pardon, et a donné pouvoir à Arnaud Murgia. Michel Strychnikov est absente et a donné pouvoir à Maud Gadet. Patrick Michel. Présent. Corinne Aschettino est absente et a donné pouvoir à Annie Assier-Conversé. Christian Ferru est absent et a donné pouvoir à René Michel. Corinne Forbrac. Présent. René Michel. Présent. Christophe Hostie. Présent. Stéphane Simon. Présent. Renaud Ponce. Présent. Marie Souran. Hervé Boulet. Sandrine Cordier est excusée et a donné pouvoir à Catherine Valdener. Johan Lagier. Présent. Maud Gadet. Présent. Marie Sosa François. Thomas Schwartz. Présent. Alexis Lalanne est excusée et a donné pouvoir à Thomas Schwartz. Aïcha Chérif. Aurore Marchand, Aurélie Poyot, Gabriel Léon, Francine Dardenne. Merci. Merci Madame le maire adjoint, le quorum étant atteint. J'ouvre la séance du conseil municipal en vous faisant un point sur deux dossiers très particuliers, si vous me le permettez. D'une part, les questions qui ont été posées par les citoyens au conseil municipal, je vous en fais lecture. Et ensuite, je vous ferai un point un peu d'actualité sur la question de l'eau qui a fait l'actualité à la fois nationale et départementale à la suite du président de la République. Et je voulais faire état au conseil municipal de la sécurisation de la ressource dans notre ville, puisque c'est un dossier que nous connaissons toutes et tous, qui nous a occupés à de nombreuses reprises avec la SPL. Mais il me semblait que c'était à la fois important et intéressant que de pouvoir vous faire part de quelques chiffres qui nous permettent de nous positionner et de savoir où nous allons vers l'avenir. Premier point, si vous me le permettez, les deux questions qui ont été posées au conseil municipal sont les suivantes. Concernant la réalisation de la nouvelle mairie, serait-il possible de communiquer l'avancement du projet? Et ensuite, de nombreux projets promo Faricade mairie arrivant a priori à terme fin 2024-2025, est-il prévu en concomitance une nouvelle aire de parking souterraine, point d'interrogation, suite à la réduction du nombre de places actuellement disponibles? J'y réponds rapidement. D'une part, sur le projet du quartier Berwick de la cité administrative, le désamiantage se termine définitivement dans quelques jours et c'est le curage démolition, qui est la deuxième phase de travaux, qui démarre dans la foulée le 20 avril, qui nous mènera jusqu'à la fin du mois de juin pour que début juillet puisse commencer le gros des travaux, c'est-à-dire le gros œuvre, puis la charpente. Donc c'est là qu'on va pouvoir véritablement découvrir à quoi le bâtiment va ressembler. On partira pour à partir de juillet pour 19 mois de travaux importants qui nous amèneront à une livraison dans le courant fin 2024 en fonction du déroulé des travaux qui à ce stade en tout cas avancent et avancent bien, et j'en suis, vous le savez, très heureux. Concernant la deuxième question qui concerne la question du fameux parking souterrain, qui est une vieille question hein, dans le débat municipal, puisqu'elle s'était posée dès la création de la ZAC au début de la mandature 2014-2020. Cette question avait été positionnée dans un premier temps par la précédente municipalité, puis abandonnée. Quand nous avons repris les manettes en juillet 2020, nous avons réouvert ce dossier en se posant la question, parce qu'il nous semblait effectivement être une bonne idée que de réaliser un parking souterrain sous l'esplanade Colo. Hypothèse que malheureusement nous avons dû abandonner, on en avait déjà parlé, assez rapidement, tout simplement puisque un parking souterrain est un élément qui coûte très cher et que l'équilibre de la ZAC tel qu'il avait été négocié ne nous permettait pas de le mettre en place. On avait ensuite imaginé une deuxième hypothèse, c'était de faire un parking souterrain mais qui ne soit pas public, qui soit privé et partagé entre la ville et les hôtels, projet qui n'a finalement pas abouti. Je voudrais tout de même amener plusieurs éléments à la fois à connaissance des uns et des autres et bien entendu à la réflexion de chacun. C'est que d'une part, la réhabilitation, le réaménagement de la rue Colo nous a permis de créer d'ores et déjà 18 places de parking supplémentaires et que nous envisageons, vous le savez, la réhabilitation de la place de l'Europe dans un premier temps. Les études vont démarrer cette année.
mais que la manière dont nous avons pensé le projet d'ensemble nous amènerait à réaménager aussi l'espace du Val-Chancel. Les études que nous avons déjà menées en interne au service technique nous laissent à penser qu'on pourrait aménager 40 places supplémentaires à cet endroit-là, c'est-à-dire devant les immeubles, devant la porte en réalité de la rédaction du Dauphiné Libéré, que je salue, puisqu'ils sont présents aujourd'hui comme d'habitude. Donc en réalité aujourd'hui, on est dans une situation où d'une part, on a le parking du Val-Chancel, qui est un parking qui est tout de même relativement sous-utilisé, qui laisse un certain nombre de places, et un réaménagement qui va nous permettre d'en gagner. Voilà, je voulais quand même faire un point assez précis, même si bien entendu les usages vont être bien entendu différents, puisqu'il va de soi que l'esplanade Colo a voué à faire l'objet d'un aménagement paysager et à ne pas rester un parking. Voilà, c'est un débat qui a maintenant quelques années, mais qu'on clôture maintenant, en avançant sur la ZAC. Je me permets, en ouverture de ce conseil, je l'ai dit précédemment, de vous faire un petit point sur le sujet de l'eau qui vient au centre du débat, et je pense que c'est bien naturel. Et je trouve déjà plutôt sain que nous ayons ce débat, nous, en montagne, au plus près de la ressource en eau, au plus près aussi des risques naturels. Vous savez qu'on a des échanges denses sur ces questions à la CCB, hein, puisque les risques naturels pour sécuriser la ressource en eau sont plus importants ici qu'ailleurs. Je pense bien entendu à la vallée de la Clarée, par exemple. Mais je voulais toutefois vous faire un petit état des lieux très factuel et chiffré, mais qui a vocation vraiment à informer le conseil municipal sur ces questions, puisque vous avez vu les annonces dans le plan eau qui ont été faites par le président de la République, à la fois des montants qui vont être mis à disposition des agences de l'eau et des collectivités pour améliorer les travaux sur les réseaux, et de la question de la gestion de la ressource en eau. Vous donnez quelques chiffres déjà sur les rendements de réseaux, qui est en fait le rapport, en gros c'est la sécurisation des réseaux, est-ce que vos réseaux fuient ou pas, c'est le rapport entre le volume qui est consommé et le volume qui est prélevé dans le milieu naturel. Donc par la force des choses, plus il y a de fuite, plus l'eau qui part de la source n'arrive pas finalement chez l'utilisateur. Les chiffres qui étaient annoncés en 2019, je ne veux pas rouvrir cette polémique, donc je vais le dire de manière très factuelle, mais les chiffres qui étaient annoncés étaient un rendement de réseau de 86% pour la ville de Briançon. Et vous le savez, ça avait assez fait l'objet de polémique, donc je ne reviens pas sur ce que nous avons découvert à la SPL. Mais dès lors que nous avons repris en main la SPL au service Hauts-de-Durance, nous sommes rendus compte que les calculs qui étaient faits n'étaient pas bons et que les chiffres avancés et utilisés n'étaient pas les bons, et que le rendement réel des réseaux de la ville était de 51,8%. Voilà. Ça, c'était ce que nous avons trouvé au début du mandat. À l'issue de l'année 2021, et après avoir mené des premiers travaux, je rappelle qu'on avait déjà fait, à chaque fois qu'on a fait des travaux routiers, on a fait des travaux de réseau, on était monté à 58% de sécurisation du réseau, puis redescendu à peu près au même chiffre, 51% à la fin, au début 2022, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de fuites qui sont déclarées au courant de l'année 2021. D'ici à la fin de l'année, je vais vous détailler, même si vous en connaissez une bonne partie, les travaux qui vont être réalisés, et je salue Jean-Marc Chiapponi qui les pilote en grande partie à la SPL, et je voudrais le remercier de son action. On a pour objectif en fin d'année 2023 d'être à 56% de rendement de réseau, avec un objectif issu du plan d'investissement de la SPL qui nous amènerait à la fin du mandat en 2026 à avoir un réseau sécurisé à hauteur de 75%. Les 25% restants seront principalement issus d'investissements très importants qu'il faudra inévitablement mener, qui sont par exemple la chaussée, qui est un sujet qui est un vieux sujet, mais vous le savez, d'ailleurs ça me permet de répondre à celles et ceux qui se demandent et qui se demandaient déjà il y a quelques années pourquoi la chaussée n'est pas refaite, tout simplement parce qu'elle n'a pas été réhabilitée, entretenue depuis tellement longtemps et tellement d'années que si on fait des travaux routiers, il faut faire toute la structure de la route, mais surtout refaire les réseaux qui sont très anciens et qui fuient souvent, mais je pense que chacune et chacun s'en rend compte puisque à chaque début d'hiver ou printemps surtout, elle est parfois fermée pour réparer des fuites. C'est des travaux qui sont extrêmement onéreux et qu'on mène au fur et à mesure. Hein. Vous savez qu'on va d'ailleurs engager la rue Pasteur, mais j'en ferai état tout à l'heure. Donc je le disais, objectif fin du mandat, 75% de rendement du réseau, ce qui serait un bon score. Et je pense un réseau qui commencerait vraiment à pouvoir se placer dans la catégorie des villes qui ont sécurisé leur réseau d'eau. Vous donner quelques chiffres supplémentaires sur le volume des 10 réseaux
réservoirs que nous avons à Briançon qui nous permettent de stocker 6880 m3 d'eau, c'est-à-dire, pour être très concret, de sécuriser la ville en cas d'incident, de la pollution ou quoi que ce soit, pour une durée de 36 à 72 heures. Mais vous dire que ce sujet des réservoirs n'est qu'un des éléments de la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la ville, puisque nous travaillons avec la SPL à un raccordement du réseau de la ville de Briançon avec celui de Villars-Saint-Pancras d'une part, pour lequel la SPL réalise un nouveau réservoir qui sera d'ailleurs, je le précise, financé de manière importante par le conseil départemental, et aussi avec le réseau de la commune de Puy-Saint-Pierre, qui a aussi un réseau qui pourrait nous permettre de sécuriser notamment le secteur des Querelles. L'idée de joindre les réseaux est naturellement l'idée de sécuriser en cas d'incident, d'accident, de pollution, etc., à la fois notre réseau, mais aussi d'ailleurs celui de la commune voisine. Donc ce sont plutôt des projets, me semble-t-il, positifs. Vous dire peut-être aussi, donner quelques chiffres sur les prélèvements d'eau sur les sources. En 2022, on prélevait 2 millions de mètres cubes, et on a globalement des sources qui sont au débit excédentaire, y compris en cas de sécheresse, qui est à la fois logique, et tant mieux, puisqu'on est tout en haut et tout en amont de la chaîne de l'eau. Donc si on était en manque d'eau alors que nous sommes au pied des sources de la Durance, ce serait vraiment inquiétant pour l'ensemble de la Provence, mais tout de même sécurisant. Vous dire enfin que le plan pluriannuel d'investissement de la SPL que nous conduisons nous a amené en 2022 à investir déjà 164 000 euros sur des opérations, sur la serverette, la fin d'Adrien Dorel. Alors c'est des montants qui peuvent paraître courts, mais il y avait plus d'un million qui avait été investi. Et c'est sur deux exercices, 2021-2022, sur Adrien Dorel, qui a été le plus gros chantier en termes routiers et de réseau sur cette année-là. Vous dire qu'en 2023, on investit 1,5 million d'euros avec des renforcements un peu partout sur Briançon. Dès lors qu'il y a des fuites qui sont identifiées, on fait des travaux. Et les gros chantiers qui sont, bien entendu, le renouvellement et la remise à niveau total sur la rue du Bac-Hubert, la rue Pasteur, bien entendu, et puis des canalisations autour de la chaussée et du Champ de Mars. Ça, c'est pour les gros travaux qui seront engagés en 2023. En fait, vous les connaissez sur la voie des travaux routiers pour la plupart, mais vous savez bien qu'on refait à chaque fois, dès qu'on le peut, les réseaux, et ça continuera sur 2024 avec la fin de la rue Saint-Roch, et puis les 650 mètres linéaires de renouvellement sur l'avenue Général de Gaulle, je peux d'ores et déjà dire qu'elle sera, elle aussi, et avant la fin du mandat, réhabilitée. On aura ainsi réhabilité deux des axes, à la fois en termes d'eau et en termes routiers, qui sont parmi les plus demandés, hein, bien entendu, la rue Pasteur, qui est un véritable désastre, et l'avenue Général de Gaulle avec l'accès à la gare. Donc c'est en tout cas sur ces seuls deux exercices budgétaires, 2 millions, 3 qui seront investis là-dessus. Vous dire donc tout simplement en synthèse, d'une part que ce sujet n'est pas pris à la légère du tout, au contraire qu'on investit beaucoup, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est extrêmement important. Et peut-être vous dire un dernier mot, mais qui aussi se rapproche des annonces qui ont été faites, vous dire que j'ouvrirai dans le cadre du conseil d'administration de la SPL cette année un travail commun et un débat qui mènera probablement à des études sur l'idée qui a été avancée par le président de la République, celle de la tarification progressive. Nous en avons un peu échangé en commission. Je suis tout à fait prêt à en discuter. Il faut vraiment étudier les choses de manière précise. Vous connaissez le principe, hein. Le principe, c'est que l'eau est très peu chère quand on en consomme peu, par exemple les 100 premiers mètres cubes. Et plus on est gros consommateur, plus la tarification augmente. Donc, je suis tout à fait prêt à ouvrir ce débat. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ce sont des études qui méritent d'être sécurisé, détaillé, parce que parfois on a à faire face à de fausses bonnes idées. Je rappelle par exemple que même si c'est
à mon sens, ça mérite d'être vérifié, mais pas forcément le cas ici. On a certaines entreprises qui utilisent beaucoup d'eau. Alors, c'est plus le cas dans le secteur industriel que dans le secteur tertiaire. Donc il ne faudrait pas qu'en prenant ce type de décision sur la tarification, on aille pénaliser les entreprises et donc l'emploi. Donc tout ça mérite d'être sécurisé. Mais je propose en tout cas qu'on ouvre ce débat et qu'on le regarde, parce que tout simplement je pense que quand on est la ville la plus haute d'Europe, quand on est dans un environnement exceptionnel comme le nôtre, je crois qu'on se doit d'être exemplaire et d'être au rendez-vous sur ces sujets-là qui sont importants. Voilà, mesdames et messieurs, tout cela, vous l'avez bien compris, n'a pas de rapport avec l'ordre du jour à proprement parler de notre conseil, même si nous avons des sujets, toutefois, de réseaux d'infrastructures et de routes à évaluer. Mais il me semblait qu'avec l'actualité toute récente, il était de bonne aloi que de livrer au conseil municipal et à travers vous à la population un état des lieux des travaux engagés sur ce sujet et de l'importance que ces domaines ont pour la majorité municipal et pour moi-même en premier lieu. Voilà, mesdames et messieurs, j'ouvre le conseil municipal en vous demandant s'il y a des prises de parole. Madame Dardenne. Oui, merci monsieur le maire. Bonjour à tous. Hier, vous nous avez rencontrés, vous avez rencontré le groupe Briançon Citoyenne, comme on a l'habitude de le faire maintenant depuis quelques mois. Nous avons abordé un certain nombre de sujets. Le premier concernant l'application du règlement local de publicité. Donc je crois que vous nous avez écouté, entendu, et que nous allons pouvoir travailler ensemble dans le cadre de la commission règlement local de publicité que nous avons voté il y a quelques temps. Donc je vous remercie par rapport à ce travail. Le deuxième sujet que nous avons abordé, c'est le règlement local du marché de Briançon, puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant que le marché s'est déplacé dans le marché couvert. Et donc nous avons demandé de travailler sur un nouveau règlement local de marché qui n'est plus du tout adapté aujourd'hui à ce que les commerçants vivent et aussi les clients. Là, vous nous avez répondu que vos services étaient un peu surbookés, que ce n'était pas forcément votre priorité. Non, je vous ai dit qu'on avait beaucoup de travail et que c'était sur la pile de travail pour ce printemps. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous propose quand même de pouvoir faire, c'est, mais on vous a entendu, hein, mais on voudrait vous faire une proposition, c'est de pouvoir quand même travailler en amont avec un groupe d'élus, monsieur René Michel, avec qui j'ai déjà eu des échanges, a un certain nombre d'éléments et j'en ai apporté aussi un certain nombre. Donc on peut commencer à travailler sur ce dossier avant que les services ne se penchent sur ce travail, parce que c'est quelque chose qui peut demander du temps, mais sur lequel on peut travailler aussi. Donc on vous fait cette proposition. On l'avait déjà fait, ça va faire déjà un certain nombre de temps. Et je vous y réponds du tac au tac, si vous le permettez. Des propositions tout à fait acceptées pour la simple et bonne raison. Déjà, un, que je suis tout à fait, et vous le savez, disposé à un travail le plus collaboratif possible. Et surtout, que sur ce type de mesures, plus elles sont partagées, mieux elles s'appliquent et mieux elles sont comprises. Donc, propositions acceptées sur ce groupe de travail. Et nous allons vous faire des propositions en ce sens rapidement. D'accord, ben je vous remercie. Ensuite, par rapport à ce dossier-là dont vous venez de nous parler, la problématique de l'eau à Briançon, je vous remercie des éléments que vous nous avez apportés. Nous avons été déçus du plan eau que le président Macron est venu apporter à Savines la semaine dernière. Le lac. Je ne sais plus. À Savines, le lac. Jeudi dernier. D'une part parce que les mesures de réduction, que ce soit des réseaux d'eau potable ou de consommation, sont bien en deçà de ce qui avait été déjà proposé, notamment aux Assises de l'eau en 2019, puisqu'ils proposaient une réduction de 25% en 15 ans, et aujourd'hui on nous parle de 10%
d'ici 2030, donc à peu près la même période. Donc c'est un petit peu décevant. Les 180 millions d'euros d'aide qui sont annoncés, a priori, la ville de Briançon ou la communauté de communes ne pourrait pas forcément y prétendre. On n'a pas vraiment compris les critères selon lesquels ces aides pourront être apportées. Et puis, effectivement, ce que vous nous annoncez, une étude, et tant mieux, une étude que vous voulez lancer au sein de la SPL par rapport aux tarifs progressifs de l'eau qui existe en fait depuis de très nombreuses années dans beaucoup de communes en France, ou en Sarthe depuis 25 ans, mais aussi Dunkerque ou Montpellier qui ont déjà mis en place ce genre de tarifs qui sont des tarifs intéressants. C'est mis en place depuis 11 ans. D'accord. C'était juste pour préciser. Voilà. Dunkerque, Montpellier, ça fait presque 11 ans. J'ai revu un petit peu parce que c'est un sujet qui m'avait intéressé, qui nous avait intéressé il y a quelques années. Donc, on avait travaillé sur ce sujet. Donc, il y a déjà des choses qui se font. C'est pas nouveau. Et il y a déjà des expériences. Et je pense que la SPL peut travailler à partir déjà de ces expériences, enfin de ces actions menées. Et ce qui a un intérêt double, un intérêt environnemental, de baisse de consommation d'eau, et donc de préservation de la ressource en eau, et puis un aspect social aussi, puisque même si chez nous, on a effectivement beaucoup de résidences secondaires qui pourraient éventuellement bénéficier de tarifs peut-être intéressants, mais tant mieux. Ce qui permettrait aussi aux populations les plus précaires de bénéficier aussi de réduction de tarifs avec une baisse de leur... Enfin, en tout cas, pour les gens qui font le plus attention à leur consommation. Et la question aussi qu'on voulait vous poser, c'était par rapport à ce tarif qui avait été mis en place pour la rénovation des réseaux, justement, pour les travaux. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous aussi, que vous comptez maintenir? Voilà. Alors ça ne manque pas de sel. Oui, ça manque pas de sel. C'était un dossier que nous avions mis en place à l'époque, qui devait disparaître. Bon. Monsieur le maire. Et oui. Elle n'a pas disparu, et vous ne la retirez pas non plus. D'après ce que j'ai compris. Bon. Donc c'était aussi une question sur laquelle je me permettrai de vous rappeler, mais je crois que dans cette salle, il y avait des élus de l'opposition de l'époque. Je pense à Stéphane Simon, peut-être à toi aussi d'ailleurs. Et je vous rappelle que le président de la RBEA, qui était M. Pruvot en 2009, avait annoncé mettre en place cette hausse de 25% pour une durée de 2 ans. Bon. Ce qui amenait à une suppression de cette hausse en 2011. Et comme vous avez, en l'occurrence, été aux manettes jusqu'à 2020 et qu'entre 2011 et 2020, il s'est passé 9 ans, dans laquelle vous ne l'avez pas supprimé, je trouverais tout de même fort de café que vous me reprochiez à moi de ne pas le faire. Bon. Je vous le reproche pas, je vous demande si vous allez le faire. Tout cela ne pouvant être déconnecté d'un contexte un peu particulier, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on a retrouvé la SPL dans un état de faillite total. Bon. Et que, en l'occurrence, il aurait été compliqué d'avancer 800 000 euros de trésorerie à la SPL, d'opérer, en l'occurrence, un plan de réduction des effectifs avec reclassement, je le précise toujours, de renégocier la totalité des emprunts bancaires, de relancer un plan d'investissement et de sauver la société en ayant remboursé ses dettes, puisque je rappelle que je suis le président de la SPL qui a remboursé 3,2 millions d'euros de dettes et de créances qui n'étaient plus payées par la SPL, en l'occurrence pour l'assainissement ou pour l'eau, puisque nous devions, quand je suis arrivé en fonction, la bagatelle de 500 000 euros à Monétier et quelque chose comme pas loin de 100 000 euros à Villars-Saint-Pancras, puisque nous collections les redevances d'eau des habitants de Monétier et de Villars-Saint-Pancras, mais nous ne reversions plus aux communes cette même redevance. Bon, donc dans ce contexte-là, vous comprendrez bien qu'en l'espace de 2 ans, j'ai réussi à sauver la société, je ne me jette aucune fleur, sans augmenter le tarif. Si vous me demandez, enfin vous me laissez une société en faillite totale, vous me demandez de la sauver et en plus de ça de baisser les prix, paraît compliqué, je ne suis pas magicien et honnêtement, c'était déjà un chantier peut-être le plus difficile depuis le début du mandat et on a réussi à le faire sans casse. Je rappelle juste que l'autre option, c'était de laisser la société partir en faillite et de proposer à un délégataire privé
de reprendre la gestion de l'eau à Briançon, ce qui, à mon avis, l'aurait fait avec un tout petit peu moins de pincettes que moi, puisqu'à mon avis, pour rembourser les 3 millions et quelques qu'il devait à ses créanciers, il aurait très probablement, lui, augmenté le prix de l'eau de 30%. Ce qui était la proposition que les techniciens mettaient sur la table en me disant « Monsieur le maire, est-ce que vous voulez faire ça ?» Bon, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardons à l'aune de l'avenir, regardons devant nous et posons-nous la question de la tarification dans sa globalité. Même si je le dis à nouveau, je le redis, faisons attention d'une part à ce que ça ne pénalise pas les entreprises. À nouveau, j'ai de prime abord, je n'ai pas l'impression qu'on ait des entreprises industrielles qui utilisent beaucoup d'eau dans leur production, mais il faut toujours se méfier, je demande à ce qu'on le vérifie et qu'on regarde ces choses-là. Notamment parce qu'on a des domaines skiables, on a des entreprises de charpente, il faut vérifier ça. Comme ça, c'est étudié. Et deuxième chose, je rappelle juste qu'il y a peut-être moins d'acuité dans une commune comme la nôtre que dans une commune du littoral sur laquelle un habitant sur deux a une piscine, par exemple. Et où on peut penser, parce qu'on se pense tout de suite à ça, c'est-à-dire la dépense de loisirs, l'utilisation de l'eau pour le loisir. Donc, moi, je veux regarder ces sujets-là. J'ai vu, par exemple, qu'il y a des communes considèrent que les 25 premiers mètres cubes sont gratuits, et ensuite, c'est payant. Moi, je suis prêt à ce qu'on ouvre tout ça. Je veux ouvrir ce débat, mais je veux l'ouvrir sur la base de chiffres. Et vous avez tout à fait raison, sur ce point, je vous rejoins, de citer la question des résidences secondaires. Il faut qu'on pense à ce dossier. Il faut qu'on y pense, parce que je pense que c'est important qu'ils contribuent. C'est pour ça, par exemple, que ce n'est pas totalement idiot d'avoir un abonnement qui est, lui, un peu élevé et un prix du mètre cube qui est un peu plus bas, parce que ça permet quand même de favoriser celui qui habite là à l'année. Parce que si changer la tarification nous amène à faire en sorte que le résident secondaire, qui profite de toutes les infrastructures de la ville, mais qui ne paye pas d'eau, on aura fait un mauvais choix. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder cela avec calme et avec des chiffres sous les yeux. Enfin, concernant le début de vos propos et le fait que vous n'étiez pas d'accord avec les propositions du président de la République, permettez-moi de vous dire que ça ne m'étonne pas, que ça ne me surprend pas et que je pense que nous nous en remettrons, vous comme moi. Je vous en prie, Madame Dardenne. Je voudrais juste finir sur le point du chèque eau qu'on a mis en place à Briançon et qui existe donc toujours. Et dans certaines communes, dont toujours Dunkerque, par exemple, ou Montpellier, il existe une aide automatique des échanges d'informations qui sont donnés par la CPAM. Et du coup, les personnes qui ont les plus faibles revenus peuvent bénéficier d'un chèque eau. Et donc, aujourd'hui, à Briançon, on pense que le chèque eau n'est pas forcément demandé par toutes les personnes parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance des démarches à faire et puis de l'existence même du chèque eau, et que l'automatisation serait peut-être aussi une idée à creuser. Voilà. Bon, et ça, c'est peut-être. Vous savez que je suis pas forcément de votre avis sur ce sujet. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention parce que on a toujours tous très envie de faire des chèques et d'en faire à tout le monde. À la fin, il y a quelqu'un qui paye, c'est le contribuable. Moi, je suis plutôt sur l'idée d'une tarification progressive liée à la consommation que sur une tarification liée aux revenus. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention là-dessus, mais je vous propose qu'on ait ce débat de manière fondée le moment venu. Mesdames et messieurs, je vais ouvrir l'ordre du jour, si vous me le permettez, en vous demandant si vous avez des remarques sur le compte-rendu des décisions. Si vous n'en avez pas, je le mets au voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et sur le procès-verbal du Conseil municipal du 8 février dernier, si vous n'avez pas de remarques, je le mets au voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et j'ouvre l'ordre du jour en vous présentant le rapport de la CLECT relatif au transfert de la médiathèque et du centre d'art contemporain. C'est l'approbation de la CLECT qui a été adoptée par la CCDI. Il revient à la commune de l'approuver. Vous avez donc les chiffres, on en a parlé en commission, du transfert de l'équipement et donc ce que la ville financera auprès de la CCD pour cet équipement qui est désormais intercommunal. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Ça n'en a pas appelé en commission, je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. La parole est à Éric Pétieux pour l'inventaire et l'appurement des stocks de la boutique du patrimoine. Merci monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Dans cette délibération, il s'agit donc de l'inventaire et de l'appurement du stock de la boutique du patrimoine. Il est ici simplement proposé au conseil municipal de mettre à jour le catalogue du comptoir de vente du service du patrimoine avec la réalisation de plusieurs actions. Intégration de nouvelles références,
réintégration de 50 exemplaires de l'ouvrage « La libération de Briançon » au prix de 2 €, en prévision du 80e anniversaire de l'événement en 2024, la modification d'un tarif consécutivement à l'augmentation du prix éditeur, l'ajustement du tarif des affiches en baissant leur prix de 7 à 5 €, et bien sûr, comme chaque fois que nous proposons ce type de délibération, il y a du désherbage à faire, c'est-à-dire l'élimination des stocks de tous les articles dont le faible indice de vente, l'ancienneté ou l'état justifie la suppression. Merci, monsieur le maire adjoint. Si ça n'appelle pas question, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole pour l'orgue de la collégiale. Oui, pour la rénovation de l'orgue de la collégiale, sujet qui est abordé depuis quelques mois maintenant et qui va trouver un aboutissement. Et donc des demandes de subventions à l'État et au département. L'état de l'orgue étant altéré, plusieurs scénarios de travaux ont été étudiés par Roland Galtier, technicien, conseiller agréé par la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. L'option retenue consiste à laisser le buffet classé dans sa configuration actuelle et de remplacer la partie instrumentale par un autre orgue d'occasion de 22 jeux, orgue dont le dernier emplacement était l'ancien conservatoire de musique d'Aix-en-Provence. Il s'agit d'un orgue qui permet un large répertoire susceptible de servir des musiques allant du XVIe au XXIe siècle. Le coût de cette dernière proposition est estimé à 191 500 euros et le plan de financement vous est détaillé en délibération et il vous est donc demandé d'approuver que monsieur le maire demande les subventions les plus élevées à cet effet. Merci beaucoup. Madame Waldener a demandé la parole. Non, simplement pour, bon, je pense que tout le monde comprend l'intérêt patrimonial et l'intérêt qu'on peut avoir à restaurer l'orgue de Briançon, à la fois dans une vision touristique, puisqu'il y a un certain nombre d'orgues dans la région et notamment à la frontière. Mais je voudrais simplement remercier vraiment le travail de l'association de l'orgue qui, en plus d'organiser des concerts de très bon niveau, a beaucoup, beaucoup travaillé parce que, très honnêtement, pour trouver l'orgue d'occasion à Aix-en-Provence, c'était quand même pas facile et on est parti d'un budget qui était 3 ou 4 fois supérieur. Donc, vraiment merci à eux parce que techniquement, il y a une partie classée, il y a tout le côté utilisation d'orgue en termes musical et vraiment, ce n'était pas un sujet facile et je pense vraiment qu'il faut les remercier. Oui, c'est un bel aboutissement et on aura peut-être besoin d'un autobus à 2 étages pour aller chercher Aix-en-Provence. Parfait, merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Merci pour notre patrimoine et félicitations, je m'associe à ce qui a été dit par les deux maires adjoints, à l'ensemble des acteurs qui ont bien œuvré pour qu'on arrive jusque-là. La délibération suivante appelle à la convention d'objectifs et de moyens avec l'Office du tourisme de Serre-Chevalier-Briançon. Il vous est proposé de prolonger d'un an la convention de financement à euro constant et à euro tout à fait égal sur la contribution de la ville de Briançon à l'office de tourisme, tout simplement puisque la convention pluriannuelle est arrivée à son terme le 27 décembre et que nous avons besoin de quelques semaines devant nous pour construire avec nos collègues la nouvelle convention de financement, notamment parce que elle est assise sur un certain nombre d'éléments techniques qui ne sont plus d'actualité, notamment, je pense, au potentiel financier, 4 taxes, avec des taxes qui, comme la taxe d'habitation, qui a été supprimée entre-temps, qui vont nous nécessiter un petit peu de travail technique. Je vais donc vous proposer de reconduire cette convention d'objectifs et de moyens. S'il n'y a pas de remarques sur ce dossier, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il d'opposition ou d'abstention? Je vous remercie pour notre office du tourisme de Serre-Chevalier, Briançon, que je félicite pour le beau travail réalisé cette saison d'hiver, accompagnant une merveilleuse saison de ski. Et je salue au passage les moniteurs de ski présents au conseil municipal qui ont représenté dignement sur les pistes tout l'hiver notre belle municipalité et leur belle profession.
Voilà, c'est dit. Et je passe la parole immédiatement à Catherine Waldener pour le système d'archivage. Il s'agit très simplement d'une convention d'archivage électronique entre la ville et le département. Vous en comprenez évidemment l'intérêt, hein, la conservation pérenne et sécurisée des documents, avec un système qui est un système intermédiaire pour les éléments qui ne sont pas conservés indéfiniment, des éléments par exemple des délibérations qui sont à conserver 10 ans, et puis un système définitif pour tout le côté historique des archives. C'est une convention qui est pour 3 ans, qui définit les responsabilités, la gouvernance, les moyens matériels, les moyens virtuels et les moyens humains à mutualiser, ainsi que le coût des dispositifs. Le coût du dispositif, il est dans la délibération, et tout ça est piloté par un comité de pilotage qui se réunit une fois par an et un comité technique des agents de la collectivité. Merci beaucoup, sujet extrêmement important puisque on aimerait déménager au quartier Berwick avec le moins de documents possible et en ayant tout archivé, et on est content d'être pilote de ce système. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. 2 délibérations ressources humaines. La première concerne des créations de postes et je pense qu'elles sont importantes puisque nous sommes au rendez-vous des engagements que nous avons pris. D'une part, nous renforçons le service finance avec un poste de rédacteur. C'est devenu important, notamment avec la réintégration du centre sportif d'altitude dans le giron municipal. 2 postes, et c'était une vraie demande des équipes et des agents, et on y souscrit parce qu'on souhaite donner le plus de moyens possible à notre centre de loisirs et plus globalement au service des affaires scolaires. Donc 2 postes d'animateurs supplémentaires, et nous en avions vraiment besoin. Et enfin, un poste d'agent de maîtrise principale qui, lui, par contre, concerne un agent déjà en fonction dans les effectifs de la ville, mais qui a demandé sa réintégration dans un autre service, et en l'occurrence dans les services de la ville, puisqu'en l'occurrence, c'est un agent de police municipale. Je me permets de vous préciser que c'est cette délibération, d'ailleurs, comme celle qui suit, a fait l'objet d'un avis favorable unanime de la part du comité social territorial, c'est-à-dire de la part des syndicats et organisations représentatives. Y a-t-il des remarques sur ce dossier? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Des abstentions. Très bien, merci. 3 abstentions. Donc. À 5 abstentions, pardon. Merci. Très bien. La délibération suivante concerne la mise à disposition d'agents de la ville auprès de la CCB, et en l'occurrence il s'agit de la mise à disposition sur une partie de son temps de travail, 60% de monsieur Éric Poletto, en l'occurrence sur le sujet, vous le savez, du contrôle et de la valorisation des déchets, qui est un sujet que nous voulions lancer il y a déjà 1 an, on en a été empêché pour des raisons de ressources humaines, et donc on y procède enfin, et la mise à disposition de Jean-Marc Thivant pour 10% de son temps de travail. Il s'occupera du plan communal de sauvegarde côté ville, et 10% sur un sujet très complémentaire, en l'occurrence la question des exercices d'incendie et de la gestion des bâtiments, ce qui est un sujet important qu'on doit prendre en main. Je précise à nouveau que les organisations représentatives ont donné unanimement un avis favorable à ces mises à disposition. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Boyau. Oui, merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. On avait une question, là, puisqu'on parle des incivilités liées au dépôt de déchets, et on aurait aimé avoir un petit point sur les incivilités liées aux crottes de chien, puisque ça avait été une des déclarations qu'on avait prises la dernière fois. Et puis, quand on a pensé aux incivilités liées aux crottes de chien, on a pensé à l'agent de la police municipale qui avait un chien, ou 2, et on voulait aussi avoir des nouvelles de ses missions et de cet agent. Alors, sur cet agent en particulier, si vous me le permettez, je vous répondrai de manière privée, pour des raisons de confidentialité liées à la situation personnelle de l'agent, si vous me permettez. Il n'y a rien, absolument rien de secret, mais c'est une situation personnelle qui mérite d'être évoquée de manière privée, si vous me le permettez. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là qui demande un changement de service. Concernant les incivilités, d'une part, moi je voudrais
féliciter le service de la communication, de la campagne de communication qui vient d'être lancée, vous l'avez vu la semaine dernière et qui sera d'ici demain, d'ailleurs, pour être tout à fait précis, affichée en ville. Vous ne l'avez pas vu, elle est sur les réseaux sociaux, on va vous l'envoyer. Et elle touche plusieurs sujets, c'est une campagne de com un peu marquante sur les déjections canines, sur le stationnement devant les écoles, enfin voilà, vous le verrez, les mégots. Voilà. Et elle s'accompagne, elle va s'accompagner à partir des jours qui viennent d'un effort significatif de nos agents, à la fois sur le service de police municipale, mais aussi avec le concours de la police nationale, d'une vraie campagne un peu marquante pendant les semaines qui viennent sur ces incivilités. Je rappelle à ce sujet, vous le savez, que nous avons augmenté l'amende à hauteur de 135 euros et qu'on est très mobilisés sur ces sujets. On va d'ailleurs, et je pense que ça c'est une bonne chose, mettre cette campagne d'affichage avec leur accord dans les copropriétés. Et ça, je pense que c'est un bon message aussi. Et moi, je ne peux que appeler au civisme des uns et des autres. On est en train de livrer un très joli parc au 15-9. Je ne souhaiterais pas qu'il devienne un parc canin. Et je crois que là-dessus, à nouveau, il faut tout simplement que les uns et les autres fassent preuve de civisme. Et je crois que c'est un travail du quotidien qu'on doit mener tous ensemble, tout simplement pour avoir une ville qui continue à être de plus en plus belle et de plus en plus agréable à vivre. Voilà pour les réponses à votre question. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Trois abstentions. Trois et pas cinq. Merci beaucoup. Elle est adoptée. Et je passe immédiatement la parole à Jean-Marc Iaponi pour une série de délibérations relatives au stationnement. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Première délibération qui concerne, qui permet de répondre à une exigence de la CNIL et d'anticiper toute contestation des usagers en lien avec la collecte et l'enregistrement de leur numéro d'immatriculation, et cela par les agents de la RMBS. C'est une exigence réglementaire. Je vous remercie donc. Merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole. Comment? Deuxième délibération, la RMBS a rencontré des difficultés d'ordre technique en lien avec les cartes horaires des parkings souterrains. En effet, des micro-coupures de réseau de télécommunication ont bloqué à plusieurs reprises ces cartes. En outre, les tarifs de ces cartes sont extrêmement faibles en comparaison aux autres tarifs de stationnement. Ces cartes horaires avaient été initialement créées pour le stationnement de courte durée. Depuis, l'offre tarifaire a été reprise et la gratuité de 30 minutes a été instaurée sur l'ensemble des parkings. Le conseil d'exploitation de la RMBS du 21-03 a donc donner un avis favorable à la suppression de ce tarif spécifique. Parallèlement à la suppression de ce tarif, il sera proposé aux détenteurs de ces cartes une compensation commerciale via un abonnement sur voirie au prorata de la durée de stationnement restante sur cette carte. Par ailleurs, il sera proposé pour l'hiver 2024 une mise en place d'un abonnement spécifique sur la période d'ouverture de domaines skiables sur le parking du ProRail. Et cela pour les 4 mois à 135 euros. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de remarques, je mets cette délibération. Vous voyez, s'il vous plaît, je voulais signifier que je ne participerai pas au vote. Merci. Très bien. Eh bien, partez le plus loin. Non, je rigole. Là, je mets la délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci, elle est adoptée sans la participation au vote de M. Simon. M. Capioni, vous avez à nouveau la parole. Dernière délibération. Nous n'étions pas dotés d'un règlement intérieur sur les parkings souterrains. Les agents de la RMBS constatent régulièrement des comportements inadaptés ou déviants en matière de circulation et de stationnement. Pour la bonne exploitation des parkings, pour le comptage du taux d'occupation des parkings, mais aussi pour garantir un service de qualité, il s'avérait donc nécessaire de réglementer la circulation et les conditions de stationnement. Je vous propose donc d'approuver ce règlement intérieur. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques sur ce point, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à Christophe Hosty pour évoquer le sujet de la grande boucle. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, le carrefour de la grande boucle, c'est l'avenant numéro 2 de la convention pour financement et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Cette délibération réévalue le montant de l'opération
à la hausse, et ce pour deux raisons. D'une part, les surcoûts liés aux révisions des prix des marchés de travaux. Le montant estimé du surcoût lié à la forte augmentation des index des travaux publics par ces temps de crise est estimé à 330 000 euros. D'autre part, en l'absence d'un contrôleur de travaux disponible à la Dirmed, et ce pour des raisons RH, il ne pouvait être anticipé, la mission de maîtrise d'œuvre doit être externalisée par la maîtrise d'ouvrage. Le montant de la prestation est estimé à 80 000 euros. La Dirmed a donc sollicité les différents partenaires pour l'opération pour qu'ils augmentent leur participation. La ville a proposé en réponse de mettre à disposition un chargé d'opération et de le valoriser afin de garantir un suivi régulier des travaux et de compenser la hausse de sa participation financière. La Dirmed a accepté, proposant un projet de convention d'assistance à maîtrise d'œuvre qui précise les missions de chacun entre ville et Dirmed. Cet accord nous permet donc de limiter la hausse de la participation de la ville sur ce chantier déjà coûteux, mais aussi et surtout de conserver le pilotage de ce dernier et d'essayer d'organiser au mieux les travaux pour qu'ils soient le moins pénalisants possible pour les Briançonnais. Merci donc d'approuver cet avenant. Je vous remercie et je précise juste hein, que ce dossier qui est un vieux dossier hein, qui date de 2015, je le précise parce qu'on a en héritage l'aménagement tel qu'il est, on n'a pas pu naturellement revenir dessus. Il n'est forcément pas parfait, mais en tout état de cause, il finira une opération qui est tout de même une belle opération. Je crois que le rond-point est très apprécié et on mettra un beau coup de neuf sur le quartier. Je voulais dire deux choses. D'une part, qu'on va essayer de faire le maximum pour que les dérangements soient les moins importants, même s'ils le seront, puisque la rue Barbeau va être fermée pendant des durées qui sont des durées longues. Et ce sera pénalisant pour la circulation, mais ce sera fait une bonne fois pour toutes et on n'aura quasiment plus d'opérations perturbantes à ce point-là pour la circulation dans les années qui viennent. Et puis surtout, féliciter les équipes de Vincent Dordor et de Francis Barnéou, puisque on a été un peu mis au pied du mur, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté. Hein, la personne qui suivit le dossier pour la Dirmed est partie et on a su reprendre à main levée la maîtrise d'œuvre et le suivi de l'opération, et je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Et ça permet, cher Jean-Marc, de montrer la montée en puissance progressive de nos services techniques, notamment sur la partie ingénierie. Je rappelle que le marché couvert, il a été fait en régie. Je rappelle que le terrassement du parc des sports, il est fait en régie. Je rappelle que le skatepark, il est fini en régie. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose que de se dire que nos services techniques participent pleinement sur des tâches importantes aux transformations et aux changements de la ville. Voilà. Est-ce que ça appelle des remarques de vos parts, mesdames et messieurs ? Oui, Madame Chérif. Merci, Monsieur le maire. C'est juste pour revoir le plan. De loin, on n'arrivait pas à voir la légende. Juste, voilà, juste derrière. Non, voilà. C'est quoi en violet ? Les trottoirs. D'accord, les trottoirs. Et en vert, c'est la verdure. D'accord, merci. Voilà. Je vais donc mettre cet avenant à la convention de cofinancement et de maîtrise d'ouvrage, aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Je vous remercie. La délibération est adoptée. La parole est à Madame Astier Conversé pour un sujet CCAS. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement, il s'agit simplement, à travers cette convention de mutualisation d'un véhicule, de faire de la bonne gestion des matériels qui peuvent aider au bon fonctionnement de tous les services. Donc le centre de loisirs dispose actuellement d'un vieux véhicule de type minibus qui vient de passer au service technique et qui a de graves problèmes. Technique, hein, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit ça ? Bon, enfin bref, toujours est-il, il rencontre des problèmes de vétusté et nous, du côté du CCAS, nous disposons d'un minibus qui nous sert à transporter les personnes âgées vers le foyer. Et donc, nous avons, à travers cette convention,
L'objectif, c'est de se servir du véhicule qui est très récent du CCAS pour pouvoir l'utiliser au maximum dans le cadre des activités du centre de loisirs. Voilà. Merci beaucoup. Si ça n'appelle pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à monsieur le premier adjoint pour la modernisation du parc des sports. Merci monsieur le maire. Donc cette délibération concerne l'actualisation du plan de financement du parc des sports. Comme vous le savez, la modernisation du parc des sports, c'est un projet que nous avions noté comme un projet phare de notre programme. Donc la modernisation du parc des sports, elle concerne donc le mur d'escalade qui va être a priori opérationnel en partie pour les mondiaux d'escalade au mois de juillet, le terrain de rugby qui sera donc effectif fin septembre, la verdure ne sera pas verte avant cette date, n'est-ce pas, la modernisation du groupe froid de la patinoire, le terrain synthétique, la piste d'athlétisme, le gymnase et des locaux techniques et vestiaires seront concernés par donc cette modernisation du parc des sports ou cette nouvelle construction d'infrastructures sur le parc des sports. Comme vous l'avez noté, après la période que nous avons vécue, la période Covid, nous avons dû revoir le plan de financement dû à des hausses très importantes de l'ordre de pratiquement 30 à 40% sur les matériaux de construction. Monsieur Léon ne me démentira pas là-dessus. Des matériaux de construction qui concernent le bois de charpente, le ferraillage, la colle, tous les éléments qui concernent la construction, donc par exemple du gymnase, de la piste d'athlétisme. Donc il nous est... Je précise juste qu'on le fasse à deux voix que la hausse n'est pas une hausse qui date d'il y a un mois, mais est une hausse des tarifs actuels par rapport au moment où le concours a été réalisé, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine. Je précise juste parce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait récent. Voilà. Tout à fait. Donc ce qui avait été, entre guillemets, prévu dans le lancement de la programmation et le concours de maîtrise d'œuvre avec un budget, il nous est demandé aujourd'hui, par rapport à ces augmentations conséquentes des matériaux de construction, de revoir le plan de financement global de la modernisation du parc des sports. C'est le but du vote de cette délibération que nous vous demandons de bien vouloir valider. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, monsieur Léon. Et du coup, mesdames et messieurs, ça vous embête pas juste de... Enfin, moi, je n'y vois plus rien, j'arrive même plus à lire mes feuilles, si vous voulez bien ouvrir les trucs, vous êtes sympas tous, mais il y a des gens qui lisent des livres quand même ici, tu vois. Oui, monsieur le président a dit qu'il fallait économiser l'énergie. C'est bon. Ah, mais là c'est l'énergie solaire. L'économie, messieurs, si vous voulez pas me voir à la fin du mandat avec des verres de 2 cm, ce serait sympa. Merci, la parole est à monsieur Léon, je m'en excuse. Et, alors du coup, effectivement, je ne vous contredirai pas sur l'augmentation du coût des matériaux, c'est certain. Par contre, ce qui nous manque un peu, c'est des détails sur comment, sur quoi vous allez couper ou pas. Est-ce que vous allez juste demander à la région beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent? On sait que vous êtes bon pour leur demander des sous. Et du coup, ne pas faire de compromis par rapport à ce qui était prévu. D'ailleurs, depuis le début, on n'a pas beaucoup d'éléments sur les choix techniques, que ce soit en termes de label. Il n'y a pas vraiment de label visé, je crois, sur les infrastructures. On n'a pas de détails sur le terrain synthétique. Est-ce que ça va vraiment être synthétique? On peut dire dans la presse sur France Info que l'Europe envisage d'interdire les terrains synthétiques d'ici à 6 ans. Il y a des solutions alternatives à base de liège, à base d'éléments dérivés du végétal. Ça a notamment été mis en œuvre à la Ciotat et c'est pas beaucoup plus cher. Mais on ne sait toujours pas quels sont les choix que vous avez faits sur ces points-là. Ce qu'on craint juste, c'est qu'on fasse un projet par le bas pour essayer de le tenir dans le budget, dans un budget qui est certes difficile à tenir. Et donc on aimerait avoir, pour pouvoir se prononcer là-dessus, plus de détails sur où vous allez couper ou pas, comment. Parce que peut-être il faudrait aussi reconsidérer d'abandonner certains projets afin de garder un niveau de qualité sur le reste, ou de phaser en tout cas. Ça paraît être cohérent. Je vois Francine qui fait oui. Elle a déjà phasé en quelque sorte, puisque nous allons être obligés donc de revoir complètement le groupe froid de la patinoire. Ça avait déjà donc été phasé. Concernant le terrain synthétique, nous avons bien conscience des
des échéances qui vont nous être demandées par l'Union européenne. Ça sera donc de toute façon l'objet de discussions dans tous les cas de figure dans les jours qui viennent, puisque la MOA, la PD sera validée uniquement le 15 mai. Donc, concernant le terrain synthétique, je vous confirme que le terrain sera bien synthétique, qu'il n'y aura pas de baisse de niveau dans les prestations que nous allons offrir à la population briançonnaise. Les réductions que nous avons essayé d'obtenir sont des réductions, on va dire, qui sont plutôt sur des réductions en termes de matériaux, mais les matériaux seront des matériaux de niveau égal, puisque ce seront des matériaux qui seront, entre guillemets, différents par rapport au constructeur. Nous n'avons pas fait le choix d'abandonner, par exemple, l'ascenseur qui va relier le niveau 1 du gymnase jusqu'au mur d'escalade et au terrain de rugby, parce que nous pensons que l'intégralité de la population briançonnaise doit avoir la possibilité d'assister au mur d'escalade, d'avoir la possibilité d'assister à un match de rugby. Donc les personnes à mobilité réduite sont prises en compte dans ce projet. Donc il n'y a pas de réduction sur la valeur de ce projet. Quelles étaient vos autres interrogations ? En fait, c'est qu'on manque énormément de détails pour... on ne traite pas de procès d'intention et certainement pas d'ailleurs envers les personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, je ne vois pas vraiment pourquoi vous amenez ça sur le sujet. Non, parce que tout simplement... C'est pas du tout ce que j'ai dit. N'essayez pas d'interpréter ce qui pourrait être interprété par quelqu'un qui interprète mal. Donc, non, mais le problème, c'est que vous nous demandez de nous prononcer, mais on n'a pas de détails. Vous nous dites que sur le terrain synthétique, et ça ne sera pas un synthétique, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez vous engager à ce que ça ne soit pas des microbilles de plastique, ce qui va être interdit par la Commission européenne ? En phase. Si vous ne donnez pas les détails, on ne peut pas. C'est normal. S'il te plaît. Je voulais juste vous répondre par rapport aux personnes à mobilité réduite. C'était un axe de réduction de coûts qui nous était proposé. Nous ne l'avons pas validé. Voilà. Mais on n'a pas ces éléments. C'est bien là tout le problème. Je vous réponds. C'est que, non, mais vous voilà. Mais là, vous le présentez tout à fait différemment qu'il y a deux ans. Non, pas du tout. Juste, soyons clairs. On n'a pas les éléments. C'est normal. On est en train de les travailler. Vous pouvez pas nous demander de nous prononcer là maintenant sur 30% d'augmentation sans avoir aucun détail sur les choix techniques ou les compromis ou non compromis que vous allez faire. Très bien. Permettez-moi de apporter quelques compléments de réponse. D'une part, ce qu'on est capable de vous dire à ce stade, c'est que entre l'évaluation un peu plus de 7 millions d'euros qui date de fin 2020, début 2021, et aujourd'hui, il y a quelque chose, un delta entre 1,5 et 2 millions d'euros d'écart, qui est dû très concrètement à l'évolution des coûts des matériaux liés à l'inflation et à la guerre en Ukraine. Voilà. C'est en l'occurrence le seul concours qui a été mené pré-guerre en Ukraine. Vous en avez la conséquence sous vos yeux qui est très claire. Bon. Face à ce constat-là, juste deux éléments. D'une part, on va vous présenter le dossier dès lors qu'il est ficelé. À ce stade, on est sur une évolution du plan de financement parce qu'on a ces chiffres-là, mais on est en train de travailler sur les détails avec l'architecte et les bureaux d'études pour pouvoir vous présenter le dossier dès lors qu'on a validé la PD. Ça, c'est la première des choses. Bon. Sur le reste, ce que monsieur le premier adjoint vous a dit, c'est que dès lors qu'on présente ces surcoûts, vous savez comment ça fonctionne, le maître d'œuvre vous dit « bon, il y a deux solutions ». Soit on diminue le projet, c'est ce que vous avez d'ailleurs cité, soit on perd en qualité, soit on assume des surcoûts. Bon. Donc on a regardé les options qui nous étaient proposées et on a choisi à chaque fois de ne faire aucune baisse de qualité sur le projet. C'est-à-dire que quand on nous a dit bah, l'ascenseur, on n'a peut-être pas besoin, on considère que les PMR c'est important, on le garde. On nous a proposé de faire des amendements sur telle ou telle chose, de diminuer par exemple, d'enlever les tribunes, de couper les vestiaires en deux, etc. Voilà, si on veut mener le projet, on veut le mener à bien tel qu'il est. Donc aujourd'hui, on a fait un certain nombre, on est en train d'arriver au bout de ce travail d'économie grâce à des mesures de bon sens. Bah, typiquement, on en parlait en commission, on s'est rendu compte que isoler par l'intérieur coûtait moins cher que d'isoler par l'extérieur, ça fait 200 000 euros d'économie, on le prend. Voilà, on a pris les mesures d'économie dès lors qu'elles sont de bon sens. Maintenant, le projet, inévitablement, il coûte plus cher et donc on va... le mener à bien de la manière suivante,
en revoyant le plan financement, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, et bien entendu en allant voir chacun des cofinanceurs pour aller leur présenter le projet tel qu'il est aujourd'hui, puisque naturellement il a échappé à personne que toutes les collectivités ont à faire face à ce type de dossier. Donc j'ai déjà entamé des discussions avec l'Agence nationale du sport, avec le département et avec la région, pour que les niveaux de financement des uns et des autres puissent être adaptés et qu'on mène le projet à bien. Donc en tout cas, pour la première partie de votre réponse, je vous confirme aucune baisse de qualité et je vous confirme la soutenabilité du projet, qui ne pénalisera pas le budget de la ville, enfin forcément un peu plus, mais pas de nature à nous amener à rayer d'autres opérations, puisqu'on va pouvoir les maintenir. D'autre part, sur les questions qui sont plus techniques, que ce soit sur le terrain synthétique ou sur le reste, rendez-vous dans quelques semaines, dès lors que le projet définitif pourra être présenté et discuté. Voilà. À ce stade aujourd'hui, l'objet de la délibération nous amène justement à actualiser le plan de financement pour aller voir les cofinanceurs. C'est pour ça, ni plus ni moins qu'aujourd'hui, on ne vous parle pas du projet de fonds. Vous en connaissez les grands contours. On est en train de négocier les derniers éléments d'arbitrage. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça coûte plus cher. Donc moi, j'ai besoin, en l'occurrence, de ce plan de financement pour aller voir les uns et les autres et leur dire voilà où on en est maintenant qu'on est en période inflation et guerre en Ukraine. Ni plus, ni moins. Mais sachez bien que vous serez associés sur tous ces sujets et qu'on discutera de tout. En tout état de cause, vous l'avez vu sur la phase 1, tout avance. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que l'ossature métallique du mur d'escalade est arrivée aujourd'hui sur le site du Parc des Sports par convoi exceptionnel et va donc commencer à être montée dans les toutes prochaines heures. Ça, c'est une information, en tout cas, sur l'avancée des travaux. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Et Madame Poyon, vous avez la parole. Merci. On souhaiterait également, donc, dans les semaines à venir, hein, puisque vous nous faites part d'une réunion où on pourra avoir connaissance de l'avant-projet définitif. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est avoir connaissance des coûts de fonctionnement, puisque aujourd'hui, on n'a non plus aucune information concernant les coûts de fonctionnement. On ne connaît toujours pas le mode de chauffage qui va être utilisé au sein de ce territoire du Parc des Sports. Comment on va chauffer le gymnase, les infrastructures. Hein. Pour le moment, vous aviez mis des pistes, mais on n'a pas non plus d'informations. Et puis, en relisant donc, les délibérations, on est retombé donc, lors de la délibération sur la CLECT, lors du transfert des charges de la médiathèque. Donc, il y a des éléments dans la délibération qui nous montrent qu'à l'époque, lorsque la médiathèque avait été construite, elle avait été labellisée par le label Bâtiment Durable Méditerranéen, qui est un label qui est mis en place à la fois par l'ADEME et la région PACA. Donc là aussi, on est un peu surpris du fait des sommes importantes de subventions qu'on demande à la région. On est surpris que la collectivité ne travaille pas avec la région sur ce label BDM et notamment sur ses charges de fonctionnement, puisque dans le rapport de la CLECT, on voit bien que la médiathèque, qui fait 1080 m² a un coût d'énergie à hauteur de 12 000 euros par an. Donc, c'est des chiffres qu'on avait en connaissance de cause. Juste entre vous et moi, la médiathèque, elle a le label BDM, mais c'est une catastrophe énergétique, hein, je vous le dis. Hein. En tout cas, quand on lit les coûts de fonctionnement qu'on a là dans la délibération de la CLECT, 12 000 euros... On est très loin du bout des bâtiments qu'on a ici, de nos bâtiments. Monsieur le Premier Adjoint va vous répondre sur la question du chauffage, mais en tout cas voilà, juste, la juste question pour répondre chauffage, à votre question immédiatement, je vous confirme que sur le gymnase, on vise un label BDM, hein, c'est très clair, hein, mais on le vise sur toutes les constructions. Hein. C'est pas annoncé, vous venez de nous le dire. C'est la première fois que vous nous dites qu'on vise un label BDM de niveau or ou argent. Vous m'avez posé 15 fois la question au conseil sur à peu près chaque projet, sauf les routes, c'est normal. Mais vous ne nous avez jamais dit qu'on travaillait avec BDM. Ah non, c'est la première fois. Et tant mieux, monsieur. Tant mieux, si vous dites qu'on travaille avec BDM et environnement. On l'a dit à la présentation. Vous étiez à la présentation. Oui. Non. Mais de toute façon, c'est des sujets, Aurélie, c'est des sujets qui sont plus négociables par les temps qui courent. Donc, il n'y a
pas de sujet là-dessus. Mais en tout cas, je souhaite vraiment qu'on puisse travailler sur les coûts. Aurélie, le coût de chauffage sur les charges transférées, ce qui n'augure pas d'ailleurs de question de transfert, hein, mais vous regarderez l'année. Voilà, la médiathèque a été fermée. Très bien. Bon, écoutez, bon, moi je vais essayer de vous répondre par rapport au chauffage sur les propositions qui sont celles du maître d'œuvre pour l'instant. Concernant quand même le coût, je vous précise qu'il y a quand même... Ouais, non, mais ça les intéresse pas. Non, excusez-moi. Je peux y aller. Concernant le coût, le surcoût, il faut aussi penser qu'il y a un surcoût lié à la dépollution, parce que le terrain, c'était quand même un terrain qui était ce qu'on appelle une salle, une décharge. Donc il y a quand même des éléments importants. Il faut traiter les terrains. Voilà. Donc ça, c'est un coût qui est important. Concernant le gymnase, il est prévu donc une sous-station sur un réseau d'eau chaude. La chaleur de ce réseau sera fournie par une pompe à chaleur OO qui puisera sa chaleur du condenseur patinoire et avec un appoint géothermique. Les organes terminaux dans les grandes salles, ce seront des panneaux rayonnants, pas tout à fait la même marque que ceux que vous aviez installés. Non, vous n'en aviez pas installé au skatepark. Non, il y en avait. Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas la même marque parce que a priori, ceux là vont. Et les vestiaires, ça sera aussi donc des panneaux rayonnants. En plafond. Voilà. Il y avait d'autres questions ? Sur les coûts, après, voilà. Ce qu'on aimerait après pouvoir, au moment où vous allez nous présenter l'avant-projet définitif, voilà, qu'on puisse avoir aussi une réflexion. Mais bien sûr, on a bien noté. Donc, vous avez noté, merci, monsieur le premier adjoint. Merci, chère madame. Et bien sûr qu'il y aura bien entendu un coût de fonctionnement, mais je vous propose en tout cas de regarder ces sujets sous un aspect assez positif, parce que ce nouveau gymnase, tout le monde l'appelle de ses voeux depuis plus de 10 ans, donc je pense que c'est bien qu'on l'ait. Madame Dardenne, pour conclure. Oui, je ne sais pas si c'est une conclusion, je voudrais vous demander... Moi, je sais. Je voudrais... C'est de la laine de roche, l'isolation. Ah. De la laine de roche. Bon. Voilà. Allez, Madame Dardenne, allez-y. Je voudrais vous demander que vous nous apportiez, pas forcément maintenant, mais... dans les jours qui viennent, l'assurance que les matériaux que vous allez utiliser, qui vont être utilisés pour les pistes d'athlétisme et le terrain de foot, je crois, ne sont pas nocifs pour les sportifs ni pour l'environnement. On voilà, et pour les impacts. Vous savez qu'il y a des normes quand même. Non, excusez-moi, il y a des normes qui ne sont pas forcément... respectées comme le fréon. Comme le fréon que vous avez utilisé jusqu'à ce jour pour la patinoire. Et je ne sais pas ce que vous allez utiliser. C'est ce que disait tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que... Si ça vous a échappé, je pense qu'on doit être l'un des pays... On doit être l'un des pays au monde qui a les normes environnementales les plus abouties. C'est sur la construction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Sur beaucoup de choses d'ailleurs aussi, y compris d'ailleurs sur la production agricole. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de problème. Ah ben non, mais je ne suis pas rassurée du tout. J'ai l'impression que vous n'êtes pas rassurée depuis juin 2020. Oui. Juillet 2020. Bien avant. Alors ça me rassure. Si vous n'étiez pas rassurée déjà quand vous étiez aux affaires, ça veut dire que vous êtes une femme libre. Non, bien avant. Et être une femme libérée, c'est pas si facile. Je paraphrase un homme politique connu. Est-ce que vous pouvez nous apporter ces éléments ? Merci. On vous les apportera en temps et en heure. Bon, moi, j'ai un élément sur pied, hein, Patrick Michel, qui a donc fréquenté les pistes d'athlétisme et les terrains synthétiques, et qui à ce jour est en parfaite santé. Et n'en déplaise à nos détracteurs, nous ne voulons pas tuer les sportifs. Moi, je suis très heureux qu'on s'occupe du terrain et de la piste d'athlétisme, parce que j'ai signé ma première licence, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'en ai un petit peu plus maintenant, et en 50 ans, le terrain et la piste d'athlétisme n'ont pas bougé, il me semble.
Merci beaucoup et j'en profite pour conclure, pour vous préciser que nous avons reçu avec Patrick Michel, le président de la Fédération française d'athlétisme, qui a renoncé à être au Marathon de Paris pour être à Briançon, pour justement parler du projet du Parc des Sports et présenter ce dossier à toute la Ligue de la région Sud. Et je crois que c'est une bonne nouvelle que de voir qu'avant même que les travaux soient terminés, nous sommes déjà regardés par tous les clubs de toute la région. Ça prouve bien qu'on est dans la bonne voie. Mesdames et messieurs, je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions? Il y a 3 oppositions, 4 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Tu t'opposes, Richard? Alors, 3 oppositions et 2 abstentions. Je vous remercie, la délibération est adoptée. La parole est à Patrick Michel qui va nous parler escalade. Merci, merci monsieur le maire. C'est dangereux aussi l'escalade. Donc oui, oui, par rapport à ça, c'est le site d'escalade du Randouillet qu'on souhaiterait rééquiper, parce que c'est vrai que ça date un petit peu là aussi. Comme tout. Voilà, donc, et c'est, comment dirais-je, les professionnels, donc, c'est pas moi hein, qui est grimpé sur ce site, c'est les professionnels donc d'escalade Conseil 05 donc qui vont déséquiper et rééquiper complètement donc cette falaise. Et dans ce cadre, la ville accepte de financer la prestation de rééquipement donc qui pourrait être aussi cofinancée par le département. Donc voilà, le coût net pour la ville serait de 4 000 €. On vous demande donc de bien vouloir voter pour cette subvention concernant la maintenance et l'exploitation de la falaise du Randouillet. Et j'en profite pour remercier les guides et le bureau des guides. Madame Dardenne. Oui, nous avons bien sûr voté cette délibération, mais je voulais demander à monsieur Patrick Michel s'il avait avancé par rapport à la visite du skatepark dont nous avons parlé lundi en commission de préparation. Alors c'est prévu, hein, voilà, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est dans les tuyaux. Ça fait son chemin et on en a parlé ce matin avec Patrick et c'est Raphaël Faure qui va vous faire passer une proposition de date pour qu'on puisse y aller dans quelques jours tous ensemble. Voilà. Voilà, et l'idée c'est d'y aller avant que ce soit fini en fait. Hein, et je précise que du coup l'apéritif sera offert par le seul utilisateur du skatepark au sein du conseil municipal, c'est-à-dire André Martin. Voilà. Ah, moi, je croyais que Madame Dardenne allait nous faire une démonstration. Bon, allez, un peu de tenue, s'il vous plaît. Plus sérieusement, je vais mettre la délibération en voie en remerciant à nouveau le bureau des guides de la ville. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Yoann Lagier. Bonsoir à tous. Donc, la délibération porte sur la mise en place de conventions avec 7 associations sportives du Briançonnais pour l'année 2023. Ces conventions sont là pour justement pouvoir mettre à disposition des éducateurs de ces associations pour venir soutenir l'école municipale des sports, notamment sur l'encadrement de ce qu'ils font, d'athlétisme, au niveau du hockey sur glace, du patinage, de l'escalade. Donc cette convention est pour l'année 2023 et ça sera un relevé d'heure qui sera facturé à hauteur de 28 € l'heure. Merci beaucoup. S'il n'y a ni opposition ni prise de parole, pardon, je vais y arriver, je vais mettre cette délibération en voie. S'il n'y a ni opposition ni abstention, je considère la délibération adoptée. Et pour terminer, monsieur le maire adjoint chargé des sports, cher Christian, pour le barème de l'Office municipal des sports. Merci monsieur le maire, ravi d'être avec vous. La saison touche bientôt à sa fin et je serai un peu plus présent. Je remercie en tout cas les 2 élus au sport qui ont travaillé tout au long de cette saison hivernale qui a été, ma foi, très très bonne pour les domaines skiables au Alpin. Donc cette délibération concerne l'actualisation du barème des prestations de services de l'Office municipal des sports. Une erreur matérielle a été constatée dans la dernière délibération des prestations de services concernant notamment les carnets 50 tickets pour les enfants de CE vendus 50 € au lieu de 90 €. La correction de cette erreur matérielle constitue aussi une opportunité afin de pouvoir créer d'autres tarifs, donc notamment créer un tarif réduit aux installations piscines et patinoires aux résidents du centre sportif d'altitude durant toute la durée totale de leur séjour, créer un tarif réduit enfants et adultes porteurs de handicap, de simplifier le tarif bébé nageur
et enfin d'arrondir plusieurs tarifs afin de faciliter le rendu de la monnaie en caisse. Voilà, ces nouveaux tarifs seront applicables à partir du 1er mai. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques, s'il y en a, Madame Poyot. Oui, merci, monsieur le maire. C'est une petite remarque par rapport justement à toute la politique sportive, par rapport à tout ce qui est mis en place dans la ville de Briançon. Je vous en ai fait part lors de notre réunion. Et dans le couloir, j'ai eu la chance de croiser le DAZN, le nouveau DAZN qui est mis en place. Et vous me piquez mes rendez-vous. Ouais. Et en fait, voilà, je voulais aussi alerter vos élus en charge du sport et les élus de notre commune, puisqu'on voit bien dans nos délibérations, on a vraiment une vraie politique sportive, puisque dès le plus jeune âge en primaire, on met en place de nombreuses activités sportives au sein de nos écoles. On a ensuite, au niveau du collège, deux classes sportives, une au collège des Garcins et une au collège Vauban. On a aussi le pôle espoir, dans différentes spécialités, hein, que ce soit le ski alpin, que ce soit le snowboard, que ce soit le fond, l'escalade. Et puis, je viens d'apprendre, je me suis un peu plus penchée là-dessus, parce que j'ai un fils qui est au lycée, et je viens d'apprendre que nous n'avons pas, le lycée de Briançon, nous n'avons pas la spécialité sport au sein de notre établissement. Donc la spécialité sport, vous savez qu'une fois que les enfants arrivent en première, ils doivent choisir trois spécialités, COEF 8 en première, COEF 16 en terminale, et qu'il existe bien en France une spécialité qui s'appelle EPPCS, éducation physique, pratique et culture sportive, dans laquelle en filière générale, il y a à la fois la pratique du sport, mais il y a aussi des cours théoriques. Et je trouve que c'est vraiment dommage que depuis la primaire, le collège, on investisse autant dans notre politique sportive et que les petits briançonnais au lycée ne bénéficient pas de cette option. Elle n'existe pas dans les Hautes-Alpes. Et le seul établissement qui la met en place, qui la remet en place cette année, c'est à Barcelonnette dans 04. Et il y en a 5. Il y a 5 établissements région PACA qui proposent cette filière. Donc, je sais bien que ça ne se fait pas comme ça, mais voilà, je voulais vous partager ce sentiment que je trouve que c'est dommage et ça pourrait être aussi une de nos volontés de travailler avec le DAZN, avec les partenaires. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Parce que la réforme du bac, elle a eu lieu après, et qu'en fait, au moment de la réforme du bac, cette spécialité n'a pas été mise en place. Elle est mise en place seulement depuis l'année dernière. Donc c'est tout récent, hein, tout cas, pour vous répondre, comme vous m'en aviez parlé juste avant que je croise le DAZN, j'ai évoqué ce sujet-là avec lui et en tout cas, je pense qu'il a bien compris le message. Et je vous rejoins. C'est effectivement un point dont je n'avais pas connaissance. Très bien, je vous remercie. Je vais mettre la délibération aux voix, la numéro 16. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée. Merci beaucoup.